Aujourd'hui, à la une de notre journal, un dossier spécial consacré à la promulgation de la loi Neversick, prévoyant l'implantation d'un dispositif de diagnostic médical préventif pour chaque individu. Merci, Cracotte. En effet, après l'épisode de pandémie planétaire que nous avons connu, le comité supérieur IA d'orientation sociétale a enjoint le gouvernement à se doter de solutions préventives pour éviter la répétition de telles catastrophes sanitaires. Docteur Bertrand, directrice de la communauté de pratique Santé Connectée, fait la lumière pour nous sur les objectifs et les bénéfices de cette loi en faveur de la santé publique et de la protection de nos concitoyens. Docteur Bertrand, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci de me recevoir. Donc, en effet, le dispositif phare de la loi Neversick consiste en l'ingestion d'une petite pilule qui est en fait un véritable concentré de technologie puisqu'il s'agit de l'agrégation de nanorobots dotés de capteurs sensoriels qui, en allant se fixer sur différentes parties de votre corps, donc vos organes vitaux, vos os, vos muscles, vos artères, réaliseront en temps réel un diagnostic in vivo. Les informations seront transmises par Wi-Fi, analysées par une intelligence artificielle et qui elle-même les traduira sous forme de conseils santé disponibles pour nos concitoyens en temps réel. Donc nous sommes vraiment sur un dispositif très innovant, à la pointe de la technologie, qui permet de positionner la santé de façon complètement disruptive, puisque nous agirons en amont de l'apparition de pathologies. Et donc la santé sera positionnée vraiment de façon préventive. Par ailleurs, c'est également l'individu qui sera situé au cœur de son parcours de soins, puisqu'il pourra, en fonction des informations qu'il recevra, décider de l'ajustement de son mode de vie ou bien de déclencher tel ou tel parcours de soins. Voilà, donc on est vraiment sur un dispositif qui nous offre une évolution absolument majeure. Ici le collectif IH, l'intelligence humaine pour protéger l'homme face à l'intelligence artificielle. Stop à l'homme robot, reprenons les rênes de notre corps. Ne soyons pas esclaves du numérique. La santé, oui, mais à quel prix? Ce que vous mangez, quand vous vous couchez, ce que vous buvez. Qui aura accès à votre intimité? Imaginez l'enfer d'une vie où vous pourriez connaître la probabilité de votre décès. Vous n'aurez plus le droit de ne pas savoir. Fini l'innocence et la légèreté. Chaque plaisir devient une erreur dont le prix est annoncé. Et ensuite, l'immortalité, le contrôle à distance de nos corps. Réveillez-vous,